Let's go, pal. Yo tout le monde, c'est Waylan, on se retrouve pour l'épisode 13 de Fallout 4. Alors, on s'est arrêté à cet endroit-là, qui s'appelle... Hop, on va là-dessus, hop, dans la carte. Ça s'appelle Grey Garden. Ok, alors, on se balade. Oh, bonjour. Bienvenue à Grey Garden, trésor. C'est la seule et unique usine hydroponique entièrement opérée par des robots dans tout le Commonwealth. D'accord. Aucun humain ? Il n'y a aucun humain ici. Pas un seul. Je ne vois personne d'autre que nous. Tout à fait, trésor. Nous sommes parfaitement autosuffisants et nous n'avons besoin d'aucune supervision humaine. En fait, il y a deux sortes de robots ici. Les drones ouvriers s'occupent des tâches diverses et de la maintenance, alors que les superviseurs, c'est-à-dire Green, Brown et moi-même, nous sommes dotés de processeurs cognitifs sophistiqués. Nous sommes dotés d'une capacité d'analyse et d'algorithmes décisionnels complexes qui démontrent tout le génie de notre créateur, le docteur Edward Gray. Ah ouais, pas mal quand même. Que lui est-il arrivé ? Il est devenu le docteur Gray. Il est mort pendant la guerre, comme beaucoup d'autres. Ce fut une terrible perte. La robotique et l'intelligence artificielle étaient les deux grandes passions de notre créateur. La troisième étant la télévision. Vous avez peut-être remarqué que j'étais dotée d'une personnalité singulière, comme les autres superviseurs. Ça commence à devenir bizarre. Ouais, un peu quand même. Hein. Des personnalités uniques. Pourquoi le docteur Gray vous a donné ces personnalités atypiques ? Le génie est toujours en mouvement, trésor. Il a horreur de l'immobilité. Le docteur Gray en avait assez de la personnalité standard des Mr. Andy. Il a cherché l'inspiration dans ses personnages de télévision préférés. Et voilà le résultat. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez parler à Green si vous avez besoin d'objets divers. Ah, c'est le vendeur Green. Si ce sont des capsules que vous voulez, Brown aura peut-être une tâche ou deux à vous confier. Ah, j'avais une question à vous poser. Dites-moi, oui, je t'écoute. Trésor, qu'est-ce que vous pensez de l'eau par ici ? L'eau ? L'eau ? Elle est immonde. Voilà ce qu'elle est. Absolument immonde. Il n'y a plus de pression, la radioactivité augmente. En fait, elle est pratiquement toxique. Imaginez les ravages qu'elle doit faire sur ma peau. Ça ne peut plus durer. Je ne voudrais pas abuser, trésor, mais vous pourriez peut-être nous donner un coup de main. Ouais, tu n'as pas l'air de m'appeler trésor. Bon, je dois faire Qu'est-ce que je dois faire ? Notre eau vient principalement de la vieille station de Weston. Au sud d'ici. Une véritable horreur. Soyez chaud et allez voir ce que vous pouvez faire, d'accord ? Il faudra peut-être mettre un peu d'ordre. Ça doit être une vraie porcherie. En gros, tu veux tuer toi, quoi. Si vous la remettez en état, je pourrais très certainement vous récompenser. Ah, c'est intéressant. Ok. Inspecter l'usine de traitement d'eau. Ah. White. T'as autre chose ? Vous avez étudié notre petit problème d'eau, trésor ? Pas encore, je vais aller m'en occuper. Apportez-moi des fruits mutants pour en extraire les substantifs de graines et je remplirai vos poches de capsules. Allez, tu s'arrêtes ! D'accord. Superviseur Brown. Qu'est-ce que tu... J'appelle ça le programme Capsule contre fruits mutants. D'accord. Tu veux pas me parler ? Non. J'en ai pas ? Ok. Rien ne sert de moitié, il faut mûrir à point. Oui, tout à fait. Là, y'a rien. On peut pas récupérer, non ? Alors, là, y'a rien non plus. Bah. Salut, Mr. Andy. Alors. Ah, tout ça, ce serait du vol. Donc, on va éviter. Il fait beau et chaud, c'est le contre-pétrie. N'oubliez pas de vous occuper de l'eau. Ouais, ouais, si tu le dis. Non. Des fruits mutants. Ah, ah, alors une radio. Ah non, je l'ai perdue en fait. Pourquoi il n'y a plus de fruits mutants ? Ah. Si vous voulez faire des affaires,
Salut Green. Je suis votre homme. Superviseur Green. À Grey Garden, c'est le juste prix toute la nuit. Vous voulez faire des affaires? Qu'est-ce qu'il y a en vente? Qu'est-ce que vous avez? Si vous vous décidez immédiatement, vous pouvez choisir l'un de ces fabuleux prix. Toutes les armes et les munitions que vous pouvez porter, auxquelles j'ajoute des médicaments et des objets utiles divers et variés. C'est le Super Banco. Banco. Oh yeah. T'es un animateur de jeu, pensez à un animateur de jeu télé. C'est la bonne réponse. Bravo. Mesdames et messieurs, allons-nous annoncer à notre heureux candidat le fabuleux prix qu'il a remporté? Bah oui. J'ai gagné quelque chose? J'ai gagné, au juste? Suivez-moi, je vous prie. Je vais vous montrer le merveilleux prix que vous avez gagné. Ah ouais, d'accord. Bah, vas-y, je te suis. Ok. Superviseur Green. C'est une voiture flambant neuve. Wow. T'appelles ça flambant neuve? Si vous possédez déjà ce qui se fait de mieux en matière de design et de technologie automobile, rassurez-vous. Vous pouvez aussi convertir vos gains en espèces sonnantes et trébuchantes. Ouais, ben, je veux bien. Que diriez-vous de 100 capsules en liquide? Ouais. On peut avoir un peu plus, quand même. J'ai une idée. Faisons un marché. Ça me plaît. Et si je vous disais 150 capsules? Ouais. Je vais prendre le liquide. Voilà pour vous. Vous ne savez pas comment dépenser cet argent? Pour acheter utile, achetez Robco. Bon, alors Preston, ça lui a pas plu, hein, malheureusement, mais tant pis. Hein. Merci d'avoir participé à notre jeu concours. Mais de rien, de rien. Par contre, t'as pas des choses à vendre? On va faire des folies. Ouais, d'accord. D'accord. Essayons de troquer des choses. Alors, d'accord, du bois, du béton, du cuir, des tissus. Attends, on va le mettre comme ça, donc, en arme, c'est de la merde. Chapeau vert miteux, on s'en fiche. Radaway. Hop, alors. Oui. Cuivre. Ça, je vais en avoir besoin du cuivre. Ayant pas mal d'argent. Hop, déjà, il n'y aurait pas quelque chose que je pourrais vendre. Putain. Quoique. Je vais peut-être les garder, les pistolets, au cas où, pour les donner. Non, je vais le voir, moi. Quoique. T'as déjà les mines à capsule, je m'en fiche. Alors, des haillons. Ok, ouais, ça, on va pouvoir les vendre, ça, les haillons, on s'en fout. Le chapka, bah. Pff. Le haillon, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Ah, par contre, c'est pas mal pour les radiations. Ouais, mais bon, on vire tout ça. Ça sert à rien. Les lunettes de soudage, c'est pareil. Ça, on va la garder. C'est jambe droite, d'accord. 8. 13, 10. Bon, après. Tout ça, je vais quand même les garder au cas où pour donner à mes. Soldats. Alors. Toi, tu voudrais pas. Ah, attends. Tu vois, je vais te donner tous ces trucs-là, radioactifs, là. Ça m'intéresse pas de les garder. Un chair de rat 4 phares, des champignons, des chewing-gums, des chips. Hop. Alors, de la fausse morille, des goudrelles. Hop. Macaroni blanco. Alors, je vais aussi revendre un peu. Hop. Tu peux faire out. Je vais en garder un seul. Oh, par contre, il a pas beaucoup. Des jets. Je vais en garder un seul aussi. Du Medex. On va en garder un. Des melons. On s'en fout. Des mentats. On va garder un.
au cas où pour Mama Murphy. On sait jamais, elle en a peut-être toujours besoin. Après ça, on va les virer. Hop. Et ça, pareil. Ou alors peut-être que ceux-là, je vais peut-être les garder. Je sais pas, on verra bien. Hop. Les pommades, je les jette, mais... 31. Ouais, c'est pas trop mal. Psycho. Ah bah oui, ça oui. Hop. Purée minute, Radix, Radgo. Hop. Steak. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Donc ça non. Ça oui. Ça oui. Viande en boîte, bien sûr. Du vin, de la vodka, des whisky. Un épi de maïs. Et des œufs. Voilà. Donc ça, c'est dans les soins. Ça, on s'en fiche. Et voilà. Alors, je t'ai vendu des choses que j'aurais peut-être pu garder. Mais c'était dans... c'était pas là-dedans. C'était pas... Si, c'était dans le soin. C'était quoi déjà? Ah oui, ça. Voilà, je vais en garder. Hop, et ça. Au cas où quelqu'un me les demande. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut t'acheter, attends? On peut t'acheter du bois, peut-être aussi. Et peut-être du cuir ou du béton. Ouais, du béton, ça peut être bien. Le fusible, la tasse à café et on va t'acheter un peu de tissu. Voilà, tu me dois 276 76 seulement. Ouais, le béton, je sais pas si bah si le bois et le béton c'est des choses qu'on a toujours besoin. Bon, allez, accepté. Voilà. Excusez-moi. Mais pour moi, c'est juste bon acheter. Ouais, mais c'est ce que tu penses, mais. T'inquiète pas, c'est toujours utile. Avant la mort du général Baker, les miliciens étaient une puissance à ne pas sous-estimer. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Alors, y a-t-il d'autres choses? Non, tout le reste c'est du vol. Ah, pas ça. J'en prends, c'est pas du vol. Hop. Bon. Alors, on a tout fouillé ici. Les fruits mutants n'ont pas poussé. Bon. Hop, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Alors, nous allons nous diriger. Hop. En direction. Hop. Donc c'était, on avait dit, oh. Ici, hop, station Oberland. Alors allons-y. On va passer sur le petit pont. C'est le pont d'Avignon. Non, je vais m'arrêter là. Allez. Hop, on passe. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir ici d'intéressant? Là, rien. D'accord. Là, non plus. Est-ce qu'on peut rentrer dans ces remorques? Non, hein. Brasserie Brenton. Oh, oh. Intéressant. Bon. Je pense que j'irai faire un tour un de ces jours. Peut-être pas de suite. Parce que là, j'ai d'autres quêtes à faire. Donc on va déjà s'occuper d'Oberland. Alors, on y va. Et il est où, Preston? Je ne sais pas. Il a dû faire plouf dans l'eau, je pense.
Ah, ah bah non, il est là. Allez, salut Preston. T'étais parti par où, toi? Ouais, t'as vu tous les champignons? Allez donc, il y en a du champignon ici. C'est une zone champignonnesque. Oh oh! Ah, ça y est, la station Oberland est ici. Alors. Eh, hey, salut les enfants! Bonjour! Excusez-moi. Ce sont les miliciens qui vous envoient? Bah oui, en fait j'en suis un donc. Je suis le général. Oui, je viens vous aider. Quel est le problème? Des pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel, et ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. D'accord. On sait d'où ils viennent, mais on n'est pas capable de leur résister tout seul. Combien? Vous savez à combien de pillards on a affaire? Je ne peux pas vous dire. La dernière fois, ils étaient 3. Mais il y en a sûrement bien plus dans leur base. Ok. Bon. Pardon. J'espère que vous n'êtes pas un de ces synthétiques. Salut, camarade. Weston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Mais c'est mieux que rien. Les miliciens? Je croyais que vous étiez tous morts. Bah non, on est là. C'est un plaisir de vous voir. On a des problèmes avec... Oui, on sait ça. C'est exactement la mission des miliciens. T'inquiète pas, on va s'en occuper des pillards là, on va leur faire leur fête. Et on peut récupérer les pommades. Bon, allez, on va récupérer les pommades. Hop, allez, go. Oui, je sais, tu vas me dire, à quoi ça sert ce que tu prends là? Eh ben, tout simplement à faire à manger. Il est bizarre, lui. Hop, on peut rien faire, pardon. Je me suis encore trompé de touche, comme d'habitude. Bon, alors. Nous avons donc ces petits bandits à aller chasser. Ici, non, on peut pas monter. On peut monter, on va voir. On va ressortir notre arme. Au cas où, c'est toujours bien de l'avoir. Ok, bon. Moi, je ne vole pas. Ça ne me sert à rien de voler. Hop, on va faire une petite sauvegarde. Parce qu'on est arrivé ici. Hop, hop, hop. Et maintenant, on va regarder où se trouve... Backstreet Apparel. Ok. Ok, ok. C'est pas très long, en fait. Donc, on a ça. Ça, c'est Diamond City. Ah, bon, plus on se rapproche de Diamond City, du coup. Ça, c'est un penny, ok. Juste un truc. Non. Non, en fait, j'aurais aimé que tu enlèves ce marqueur. Voilà, retire ce marqueur. Merci. C'est mieux comme ça. Donc, du coup, les données. Ok. Et en eau trouble, ça nous emmène où, ça? Au trouble. Ah, ici. Inspecter l'usine de traitement. Ouais, en fait, elle est vraiment encore plus proche. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'usine de traitement. Hop là, pardon. Voilà. Ah, mais effectivement, elle est juste en face. Alors. En tout cas, de là, on ne voit rien de spécial. Donc, on va s'avancer. Peut-être qu'on verra des choses un peu plus spéciales. Hop. En tout cas, on récupère les petites plantes. C'est plutôt cool. Alors, un joli bateau. Ouais. Salut les fleurs. Voilà. Alors, dans le bateau, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Ah, il n'y a rien ici. Hop, là non plus. Eh, hey, on est en haut du bateau. C'est bien. Alors, est-ce qu'on voit des choses? Ah, effectivement, on voit des choses. D'accord. Donc, c'est des super mutants qui tiennent notre truc. Est-ce que je vais pouvoir les dégommer à coup de snipe? Alors. Hop. Je crois qu'il y a quelque chose par ici. Ah, t'inquiète, moi aussi. Le problème, c'est qu'ils ont pas de snipe. Rien à signaler, apparemment. Ah. Il y a quelque chose dans les parages. Allez, reprends ta respiration.
je t'ai demandé de prendre ta respiration en fait. Headshot. Il est dead. Ah oui, un kill tour. Moi, les super mutants, je les bute comme ça. Je suis un dingo. Voilà. Tu l'as eu? Oh. Oh. Attendez. Ah, je peux pas tirer dans la main. Non, ça sert à rien, ça. Attendez, il y a quelque chose dans les parages. Ouais, je le vois. Alerte annulée. Ah, j'ai plus de balles. Bon. Alors, est-ce que... Ah, ben voilà. Ouf. Wow, cette bombe nucléaire. Ça, c'était joli, ça. Attendez. Est-ce que t'aimes te prendre des tirs dans la gueule? Putain, mais... Ah, le mec, il est costaud quand même. Bon. On va sortir le petit flingue. On s'en fait un de ses tirs, son truc. Alors, il est où? Tiens. Tiens. Tu les aimes, mes petits tirs dans la tête? Ah. Ouh, il a pris cher. Quoi, comment ça il a muté? Non, qu'est-ce que tu me fais là? Arrête de jeter des trucs pour rien là. Ah, l'esprit légendaire, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Enfin, le monstre légendaire, là. Il est où? Ah, ça y va, attends. Alors, il est où, notre copain? Je sais pas où il est, notre copain. Bon, alors, je crois qu'on va prendre... Hop. Hop, cette arme. Allez. On n'a franchement pas intérêt à traîner ici. Non, en fait, je vais éviter de traverser, je crois, par là. Je pense qu'on va peut-être faire le tour par là. Ça pourrait être pas mal. Hop, on va faire une sauvegarde, on sait jamais ce qui se passe. Si tu dois le faire, fais-le, c'est tout. Arrêtez les mecs. Vous avez pas besoin de faire ça, vous me connaissez, non? Restez où vous êtes. Ça vous concerne pas. Je vous en supplie, aidez-moi. Ils vont me tuer. Ta gueule. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Cette chose est un synthétique. Voilà ce qui se passe. Ça fait des semaines qu'on voyage avec lui sans se douter de rien. Mais voilà qu'aujourd'hui, il nous lâche que c'est un larbin de l'Institut. Il se fout de nous depuis le début. C'est parce que je croyais qu'on était amis. Je serais jamais ami avec un putain de synthétique. Pourtant, ça te posait aucun problème. Avant que je te dise ce que je suis vraiment, je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu me prends pour un con? Tu vas rentrer au bercail et revenir avec tes petits copains. Ouais, synthétique, tu ressembles à un synthétique, toi, avec tes yeux. Ça, mon pote.
Je n'ai rien à voir avec l'Institut. Je me suis enfui. Tout ce que je veux, c'est aller à Bunker Hill. Je te promets que tu me reverras plus jamais après ça. S'il vous plaît. Vous me croyez, vous, non? Vous pouvez pas le laisser faire ça. Bah, je sais pas quoi faire, là. Quel choix vais-je prendre? Ça ne plaira pas à l'Institut. Libérez-le ou je veux... ou je vous tue. Il ne vous a rien fait. Laissez-le partir. Réfléchissez un peu. S'il voulait vous faire du mal, il l'aurait fait depuis longtemps, non? Peut-être qu'il attendait juste le bon moment. Je sais pas, et je m'en fous. Cette abomination doit mourir, point barre. Ok... Ça ne plaira pas à l'Institut. Vraiment avec l'Institut, vous croyez qu'ils vont vous laisser vous en tirer comme ça? Laissez-le partir. Ça vaut mieux pour vous. C'est... Merde. Vous avez raison. Eh bien, oui, mais si je te revois, je te mets une balle entre les deux yeux. Mon Dieu. Merci. Merci infiniment. Allez, ouais. Dégage. Tu peux me remercier, je pense. Vous m'avez sauvé la vie. Allez. Cours, Forest, cours. Ah, une tour de relais. Alors, on va retourner voir les gens après. D'abord, on va. Ah, ça, c'est cool. Un terminal de tour de relais. Alors, état de la tour. Ok, déployer les paraboles pour amplifier le signal de la zone voisine. Alors, ce que ça fait. Veuillez vous écarter. Oui. D'accord, je m'écarte. Signal de détresse trouvé. Services municipaux de Boston trouvé. Intéressant. Alors, hop, dans radio. Oh, signal de détresse. Bah, j'écoute. Donc ici, non, je me suis monté, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout mis mes points, donc c'est bon. Dans ma liste des services municipaux de Boston. Bon, on verra bien. Alors. J'espère que ça ne nous retombera pas sur la gueule. T'inquiète pas. Je peux tout prendre sans que tu gueules. C'est cool ça. Merci, c'est gentil. C'est très très gentil. Hey. Le spectacle est terminé. Vous pouvez circuler. Ok, ça marche. Alors à la prochaine. Hop, merci pour tout ça. Oh, mon but de toute manière, c'est de passer. C'est quoi ça? C'est des fleurs. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant ici? Rien du tout. Ah, par contre. Hop là, on saute ici. Hey. Ah, il y a l'air de n'y rien. De ne rien y avoir à l'intérieur. Désolé, je ne sais plus parler. Il est tard, il commence à être très tard. On va récupérer les bouées. Je commence à parler un peu comme un gogol. Alors oui, il est plutôt tard en fait. Il est 1h26 exactement. Donc je fais ma vidéo assez tard, je m'en excuse. Voilà, mais au moins je suis tranquille, il n'y a pas mes filles pour crier. Et ni ma femme qui fait du bruit, donc au moins comme ça au moins je suis tranquille. Il n'y a pas de bruit. Ah, par contre je me prends des radiations, ça c'est pas cool. Hop, un établi d'armure, ok, on peut réparer les armures ici, c'est cool. On va récupérer tout, tout ce qu'on peut récupérer, on récupère, hop. Okay. Qu'est-ce que tu faisais Preston, pourquoi tu traverses les murs? Hein, tu peux me dire pourquoi tu t'amuses à traverser les murs? Tu serais pas un peu bizarre toi?
on dirait une... petite ville. Serait-ce une petite ville? Ah, par contre, une petite ville à... un peu... radioactive. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu sais quoi, on va aller s'occuper de ce qu'on devait s'occuper là-bas. Donc peut-être qu'on pourrait rentrer là-dedans. On va voir. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Bonne question. En tout cas, il n'y a personne. On va se mettre ici et on va attendre. Voilà. Nous allons donc attendre. Hop. Quelques heures. Voilà, hop. Voilà. On va se lever. Voilà. Ah, mais toi aussi, t'as attendu. C'est cool. Plutôt sympa d'attendre, t'as vu. Vous croyez vraiment qu'on doit s'encombrer de ça? Bah oui. Si je le fais, c'est parce que je pense. C'est parce que je pense qu'il faut le faire. Alors, une petite caisse à ouvrir. Alors. Hop là. Voilà, elle est ouverte. Joli. Voilà, du Radix. Ça, c'est cool. Alors. Hop, hop. Il n'y a plus rien ici. Ah, un petit téléphone à prendre. Bloc-note, hop. C'est quoi ces petits bruits que j'entends? Ça fait un peu peur, ces petits bruits. J'aime pas trop beaucoup ça, moi, quand même. Hein. Mmh. Y'a plus rien ici? Oh, au niveau du réacteur. Alors... hop, hop. D'accord, Preston tranquille, il est là, il s'assied au calme. Allez hop, on va voir. Qu'y a-t-il au niveau du réacteur? Non, on dirait qu'il y a un réacteur qui flanche au niveau des... le système a encore condamné les portes. On va faire une sauvegarde, on ne sait jamais ce qui se passe. Je vais devoir passer en manuel. Hey, Spiegel, je sais que t'as des affaires pressantes à finir, comme le dernier numéro de Crochet Mag ou je sais pas quoi, mais... tu pourras venir m'ouvrir quand tu auras 5 minutes. En attendant, je vais lancer ce message en boucle et m'en crier une. C'est sûrement ce que tu es en train de faire là aussi. D'accord. Merci pour... hop, ces bouteilles. Donc, on dirait qu'il y a un réacteur qui flanche au niveau des... le système a encore condamné les portes. Je vais devoir passer en manuel. Alors je récupère tout ça, c'est gentil. Ça va, le mec il avait pas une petite soif quand même. Hein. Ouais, bah grille-toi dans une, hein, qu'est-ce que je te dise. Ouais, on a compris que c'était un message préenregistré. Alors. Ouh, il y a de la radioactivité ici. Un petit chalumeau, c'est gentil. On va éviter. Ouais, par contre, je commence à être un peu loin. Ok, ça fonctionne pas? Non. Bon. Ah. Alors, on fouille ça. Ah, oh, zut. J'ai un peu fait l'imbécile. Voilà. C'est bon. Fusil, médaillon, scotch, térébenthine. Ok, bon. On ferme la porte. Ok, bon, pour l'instant, il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait rien du tout. Hop, soin. On va se prendre un petit... merde, j'en ai pris... mais pourquoi j'en ai pris deux? Je suis un abruti, moi. Bon. Alors toi, par contre, tu dois pouvoir porter des choses, quand même. Vous avez besoin? Vous voulez échanger du matériel? Bah ouais, pas de problème. Je voudrais que tu serves à quelque chose, en fait. Alors, du coup, tu vas me servir à quelque chose, d'accord? Ça te dérange pas. Tu vas me porter, ben, déjà l'acier.
Hop. Et tout ce que j'ai là. Toutes ces merdes. Comme ça, je sais que toi, tu vas porter tout le membre à break. Tu me serviras à ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Hop, excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Hop. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Dès que ça aura chargé. Oui, parce que les chargements sont toujours aussi longs. Voilà. Ok, on va faire une petite sauvegarde. Hop là, tranquille. Alors, hop là, oulala, c'est pas bon ça, j'ai failli tomber. C'était pas ce que je voulais. Hop, allez, on y va, on va descendre. Qu'y a-t-il d'intéressant? Un tournevis, on prend. On mate au sale. Eh, hey, salut les amis, vous allez bien? Ouais, vous êtes mignons comme ça. Allez. Nous, on est censé s'occuper de... de Mister. Je sais pas où il est. Alors, il est parti où le super mutant là, légendaire? Je crois que j'ai quelque chose. Oh putain. Waouh. Ça va qu'il s'est pas visé. Oh allez. Ça explose quand même donc. Ça y est, le petit fail, il a su bien viser. Il m'a arraché le bras, c'est dégueulasse. Heureusement que j'avais fait une sauvegarde. Alors lui... Ouais, d'accord, j'ai fait une sauvegarde ici, quoi. J'aurais pu faire mieux quand même. Hein. Mais bon. Hop. On va reprendre le tournevis. Ça. Alors. On va se cacher. Alors. Je crois que j'ai quelque chose par ici. Il m'a pas vu lui. Si. On se cache. Tu m'as pas vu, j'ai dit. Rien à signaler apparemment. Non, y a rien à signaler, t'inquiète. Il est où par contre? Ah, il est là. Attendez. Wow. Il y a quelque chose dans les parages. Ah, mais pour avoir quelque chose, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Un mec avec un lance-missile, c'est quelque chose, je crois. Alors. Wow. Alerte annulée. Attendez. Alors, il est où ce con? Wow. Ok. Fais gaffe, il y a le gros mutant qui arrive. Wouhou. C'est quoi ça? Ok. Ça, c'était pas bon. C'était même pas bon du tout.
ça fait mal. Très très mal. Bon. Malheureusement, j'ai utilisé toutes mes armes de tir éloignées. Alors du coup, il va falloir que je continue avec ce flingue. J'étais pas mal quand même, j'étais vraiment pas mal. Mais bon. Cet enfoiré m'a quand même bien eu. Hop. Et après on va faire une sauvegarde ici. Comme ça on n'aura pas besoin de recommencer. Hop, à récupérer les loot dans la poubelle. Alors, elle est où cette tête de con? Attendez. Headshot. Headshot. Allez, je me barre. Il est où ce con? Rien à signaler à part. Ah, il est là. Je crois que j'ai quelque chose par ici. Oh, allez. Fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Ils vont finir par nous avoir. Il est où? Ah, il est là, cet abruti. Regardez-moi le. Attendez, tiens. Il y a quelque chose dans les parages. Mais comment tu sais où je suis là? Il n'y a rien ici. Attendez, il y a quelque chose dans les parages. Et voilà, cet abruti est mort. Allez, à qui le tour? Oula, par contre, j'ai plus beaucoup de balles. Alors. Attendez. Ah oui, d'accord, lui c'est le gros. Bon, écoute, c'est quoi? Ça commence à être gavant là. Je dois être un peu sur les nerfs. Hop. Allez. Non mais par contre. Alors hein, on va essayer de les dégommer tranquillement. Hop. Pas la peine de laisser ça. Merci pour ton lance-missile, l'ami. Ici il y avait normalement le mec qui a explosé un morceau, voilà. Oh, t'es un peu mort. Un petit peu quand même. Hop. Ouais, et toi t'es où? Ok, toi t'es là. Ça on s'en fiche. Et t'entends des bruits, c'est normal, c'est moi. Je crois que j'ai quelque chose par ici. Oh putain! Qu'est-ce qu'il fout là lui? Oh putain! Là j'ai eu très très peur. Je crois que ce n'était rien. Pour savoir. Ah excusez-moi. J'étais tellement stressé que. Oulalalala. Oulalalala. On va reprendre un steam pack. Il m'a fait peur celui-là, mais vraiment très très peur. Je m'y attendais vraiment pas lui. Je sais pas ce qu'il faisait là. Hop. Alors ils sont où? Attendez. Ah c'est encore le super lui. Ils sont où? Allez. Tiens. Alors là, s'il n'est pas mort. Franchement, je suis pas pris.
Voilà. Tiens les bastos, hein. Tiens. Putain, alors lui, il s'en prend plein de tirs. Oh non, mais c'est pas vrai. J'en ai marre. Bon, en tout cas, nous sommes à 45 minutes. Donc, on va s'arrêter ici. Alors, je m'excuse pour tous ces fails. Prochaine vidéo, on va reprendre ici et je vais tous les tuer en essayant d'éviter de fail au maximum. Voire de pas fail du tout, ce serait cool, d'ailleurs. Bon, alors, juste pensez à laisser des likes. Après, pensez à laisser des commentaires si possible. Pensez à partager la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Voilà, allez, à plus. Ciao, ciao.